Donc today on se retrouve pour vous faire une nouvelle vidéo. Et en fait genre cette vidéo genre vous me la demandez tous sur tous mes réseaux. Vraiment j'abuse pas, je me sens un peu fraîche. Comment j'ai fait mes cheveux, vraiment je comprends pas pourquoi vous me demandez ça, parce que non, mes cheveux moi je les trouve vraiment moches. En fait bah je me suis munie la petite sœur avec moi parce que elle aussi elle a des cheveux bouclés, du coup bah on va vous montrer ce qu'on fait pour nos cheveux. Voilà quoi. Regardez. T'es une force en fait. Donc, regardez l'état. Ah ouais. L'état de ses cheveux. Vous êtes pas prêts à voir mes cheveux là. Vous êtes vraiment pas prêts. On est pas trop sexy là. Je tenais à dire que dans les cheveux bouclés, il y a plusieurs sortes de cheveux. Donc quoi, par exemple dans mes cheveux, tout devant là, vous voyez tout ça, bah, ça boucle très très bien. Et à partir de là, mes cheveux, ils bouclent plus. Genre regardez, là mes cheveux, ils sont lisses limite. Genre mi-lisses, là vous voyez ils sont lisses. Et là vous voyez des petites ondulations. Quelqu'un aurait des astuces pour que mes cheveux de derrière... Parce que oui, il faut savoir que j'ai fait une kératine deux fois. Donc je pense que c'est ça qui m'a fait ça. Sinon aucune idée, donc si quelqu'un sait comment je peux faire pour faire reboucler mes cheveux ici, s'il vous plaît dites-moi en commentaire, j'ai besoin de votre aide, ou dites-moi sur Instagram. Donc c'est parti, on utilise ces deux shampoings. Ce shampoing, mais attends, ce shampoing et cet après shampoing, donc c'est LCF, en fait c'est pour les boucles. Maintenant c'est go, là on va laver nos cheveux. Aïe. Vas-y, vas-y, chante. On va arrêter de faire. Ok, ok, on va arrêter de faire. On va arrêter de faire le voyage. Je te passe, aïe, aïe. On va arrêter de faire. Oh my god. Où c'est là? La chevelure. Faut bien frottiller, hein. N'hésitez pas à frotter, hein. On y va fort. Donc maintenant qu'il n'y a vraiment plus de shampoing, il faut mettre l'après-shampoing dans des cheveux un petit peu moins humides. Et toi, tu vas faire ça? Bah oui. Tu vas te filmer? Bah je vais faire comme toi qu'on l'a fait. N'hésitez pas à en mettre, hein. Faut être généreux. Mettez dans les racines, à l'intérieur. Donc pour l'instant que ça pose, Ashley, bah raconte ta vie, fais ce que tu veux. Et moi je vais venir faire la même chose. Cette routine que je vous montre, c'est pour les personnes qui ont des cheveux bouclés. Si vous avez des cheveux lisses et que vous faites ça, bah vous n'aurez pas ce curly. Enfin c'est logique, c'est pour les personnes qui ont bah, des cheveux bouclés de nature, bah comme moi. Et là on trouve cette routine là. Vous allez avoir des cheveux beaux, soigneux et curly hairisés. Salut! J'adore ma vie. Et maintenant, on va venir mettre ça. Mes cheveux, des fois quand je me réveille. Ouais. Quand je me réveille, ils font des ordres. Comme tes cheveux. Oui. Tu les as lisses. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais là. Me laver. Tais-toi. Rincer les cheveux de Ashley. Et je vais lui brosser les cheveux hors caméra. Et on se retrouve bah, dans quelques instants. C'est trop un effort physique d'avoir des cheveux. Tes cheveux sont comme mon dit derrière. Je veux faire quelque chose. Non, tu chantes pas. Avant tout. Il faut mettre ça. Donc ça c'est pas pour les cheveux bouclés, c'est pour tout type de cheveux. En fait genre, bah, c'est pour hydrater. Parce que bah, nos cheveux sont très très mal hydratés. Prenez on va dire deux pompes. Et bah, vous mettez sur tous les cheveux. Et pour Ashley en fait, elle utilise une de ces deux crèmes. Parce que bah, elles sont grave bien. Donc elle utilise cette crème là qu'on a acheté à Leclerc. Ou si bah, y a pas de Leclerc, bref, ou si vous voulez pas la Leclerc, vous voilà Action et la genre la similaire de celle-là, bah, c'est la verte. Vous mettez comme ça.
dans tous les cheveux, comme ça. Comme ça, t'es sûr? Oui, je suis sûre. Et tu fais... Attends, montre un peu. Et tu fais comme ça. Tu sais faire ça. Et voilà, sous à mon cas. Donc moi, je vais utiliser ce truc. Je l'ai acheté à Carrefour pour moins de 4,80€. Donc regardez, c'est ça. Et en fait, il démêle les cheveux. Donc vous en mettez genre comme ça. Moi, mes cheveux, ils sont très très durs à démêler. Et ils m'aident de ouf à démêler les cheveux. Ils m'aident vraiment. Donc moi, je divise mes cheveux en deux. Bref, vous savez, démêler vos cheveux, tout cela. Genre, enfin, il y a encore des nœuds. Mais genre, voilà. Là, oh, genre, même pas 10 coups de brosse. La première partie, elle est faite. Regardez, j'ai des cheveux bouclés. Et je vais vous parler de quelque chose d'autre. Donc, parfois, je me maquille. Tu forces ! Mes cheveux, ils sont beaux, mais pas très beaux, qu'ils le lissent. Et c'est forcé ! Qu'ils le lissent. Mais, parfois, bref, ils sont là, très cheveux. Voilà. Ses cheveux, on va pas mettre plus de crème, elle va laisser ses cheveux sécher à l'air libre et on vous montrera son résultat plus tard. Maintenant, bah, je vais mettre ce truc là pour que mes cheveux ils soient hydratés. Donc là, je vais vous montrer les deux produits, les meilleurs produits de ma vie que j'utilise tout le temps. Donc c'est ce pot là. Quand j'ai fait ma première vidéo au Chine Curie, il était toujours là. C'est un pot en fait, c'est une crème, ça s'appelle Crème Côté, c'est de la marque Active Elong. Donc ça, vous pouvez le trouver à Carrefour. Ça coûte un peu cher quand même. On a ce produit là, donc c'est une crème Cantu. Ça vous pouvez trouver dans tous les packs de chez vous, genre les petites épiceries en bas de chez vous et tout ça. Il y a toujours des produits pour les cheveux. Ça je le mets pour l'arrière de mes cheveux, puisqu'ils bouclent pas, et pour bah, tout ça là. Et moi je le mets comme ça, genre crème. Elles sont juste là bah, pour aider vos boucles à qu'elles soient plus belles en fait. Ça, les crèmes, si vous n'avez pas de cheveux bouclés, elles ne vont pas vous embouter les boucles. On va mettre derrière, et moi derrière je dose, bah, parce que mes cheveux ne bouclent pas. Donc, ou bien que je ne les fasse boucler par le voyant. J'ai acheté en fait une petite serviette sur Amazon, ça coûtait vraiment pas cher. Et en fait, c'est une serviette micro, je ne sais plus quoi. Elle n'abîme pas les boucles. Et avec ça, bah, je fais ça derrière. Voilà, cette vidéo, c'est vraiment un bassin. J'ai ma crème Cantu. Donc ça, c'est un conditioning creamy hair lotion. Quoi? Achetez-vous la porte. Et en fait, moi, pour essorer mes cheveux et qu'ils sèchent plus facilement, je prends ma serviette, la micro, je sais plus quoi. Et là, c'est mes cheveux qui bouclent pas. Et voici mes boucles, c'est comme ça. Bouge tes cheveux, bouge tes cheveux. Donc je préfère qu'ils sèchent tout seul. Et donc nous, on se retrouve quand nos cheveux ils seront secs. Regardez le bazar. Elle est partie, elle me laisse quand j'ai tout seul. Et donc voici nos cheveux. Attends, mes cheveux ils sont pas totalement secs ici là. Ils sont encore un peu mouillés. Non, mais tu fais quoi? Mais non. Oh. Donc, je vais montrer. Vas-y, montre tes cheveux. Arrête. Voici les petites boucles. Donc là, c'est les cheveux de Ashley. Oh, trop beau. Fais voir le devant. Non, mais je tourne, elle tourne. Waouh, elle est trop belle. Et j'ai confiance en toi. Donc, le devant, il ressemble à ça. Et le derrière, j'aime bien mes cheveux. C'est pas comme ça. Et vous voyez que ici, bah, c'est mi-ondulé, mi-bizarre, genre. Donc s'il vous plaît, aidez-moi. Comment avoir des beaux cheveux bouclés? Bah, c'était le petit tuto pour vous. Et plus tard, j'ai du chocolat ici. Et ici. Oh my god, la gêne. Lâche. Là en fait je vous retrouve le lendemain juste pour montrer mes cheveux comment ils sont. Ils sont toujours très très bien. Oui ça passe nanana. Et voilà. Son marijuana. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites moi en commentaire si vous voulez plus de vidéos à propos de mes cheveux. Du coup on vous fait mes cheveux. Plein de gros
Bisous et bye. Elle est insupportable.